Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Une Allemagne qui a bientôt fini avec son printemps des peuples, enfin. Enfin. Panama, oui c'est vrai que je peux... Et... bah casse-toi la binette, je te dirai rien mon ami. Excusez-moi, j'ai un truc qui est tombé là, comme ça. Et attends, quoi, toutes les îles... Y a aucune île qui est... Non. Tu. Non. C'est pas fini, c'est pas possible. Tonga. Attends quoi? Pourquoi toutes ces îles, elles sont pas. Ah ouais? Elles sont colonisées, mais à moitié. Non? Même pas une. C'est même pas ça? Ouais, si, il y a Grande-Bretagne là, il y a des. Ouais, je veux pas aller coloniser, j'ai pas envie de me retrouver à partager un truc. Déjà, je partage. Au delta du Niger, je partage avec l'Angleterre, j'aime pas ça. On va éviter. Oui, ce que je voulais faire, qui était assez important, c'était de l'électricité. Usage. Hein, paysan. En posène. En posène. Bon, bah, apparemment, en posène. On va faire de l'électricité. Je préfère le faire en Dalmatie parce que j'ai un bonus. Mais. Il n'y a pas assez d'habitants. Donc on va les faire en posène. On va en faire 50. En posène, on va vérifier. Voilà. On n'aura pas assez de voies ferrées. Voilà. On a fait pas mal d'usines de moteurs. Enfin, ils sont en train de se faire les usines de moteurs justement pour pallier tout problème. Les gars, est-ce que vous pouvez aller autre part en même temps? Oui. Et bah faites-le. Vous savez quoi? J'ai des généraux disponibles qui ne font rien. Hop là. Voilà. Impact défensif choix, non. Voilà, bon, et là, ça devrait juguler tranquillement. Là, on a une supériorité numérique partout. Bon, même on se bat contre personne, pas mal d'endroits. Voilà, ça s'est jugulé. On a déjà 850 000 de PIB. On est en combien? 10 juillet. Voilà, vache. 10 juillet 1875, effectivement, dire 10 juillet, c'est pas. Bah, ça me sert pas à grand chose. Au niveau du budget, on va peut-être augmenter ça. Voilà. Et on va pouvoir supprimer quelques impôts de consommation. Pas trop non plus. Journal, on peut pas faire grand chose. Hein. Pas grave. Urbaniser, oui. La Suisse souhaite un pacte défensif. On va accepter. Parce qu'il me donne une obligation. On va utiliser l'obligation pour qu'il nous rejoigne au niveau du marché. Ce qui fait que voilà, la Suisse a rejoint notre marché. Non merci. Marché français? Ah bon. Marché français, l'Italie aussi, tiens. C'est marrant ça. Puis j'ai bien envie d'aller chercher les petits pays là. Il est toujours bandit, il a quel âge? Il est vieux là, non? 80 ans, enfin. Ça vivait pas jusqu'à 81 ans à cette époque là. Hein. Enfin, rarement quoi. On a mitrailleuse disponible, ok. Ça peut valoir le coup justement que je commence là, j'ai une bonne avance techno. Ça peut valoir le coup. On va faire messager à bicyclette. Ouais, j'ai les deux canaux. Ce qui fait que là, normalement, si je me trompe pas... Zéro employé. Oh, je vais rien dire. Bon. Voilà.
Lavachie radicaliste, c'est fini. Bah là, on va descendre au sud. C'est quoi? On fait la petite sauvegarde, donc on va descendre sur le sud, comme d'habitude. Et je vais commencer à rien en avoir à faire de mon habilité. Ah, je m'entends trop bien avec. Ah mince, ah c'est bête ça. Ah mince, ah c'est bête ça. Lui aussi, tiens. Ah mince, mais tout le monde, c'est quoi ce bazar? J'ai vraiment augmenté tant que ça. Bon, on va taper sur ventement. Moi, je me sais. Comment ça? Ah, on est médiocre en plus avec Ottoman. On est en trêve. Jusqu'à quand? 2 janvier. Pas longtemps. Pardon. Préparez-vous les Ottomans. On arrive. Ok, je voulais vérifier. On va libérer un maximum de pays. On va prendre le Monténégro, le sud de la Serbie. Si on peut la Macédoine et la Thessalie. De toute façon, ça m'appartient, tous ces petits territoires. Hein. Oui. Constantinople aussi, hein. Oui. Non, ou alors simplement, j'en fais un. Oh oui, j'en ferai un pays fantoche. Je crois qu'ils sont pas dans les premiers, hein, clairement. Ils sont 22e. Ah, oh, ça va, 22e. J'en fais un petit pays fantoche, oui. On va essayer de fantochiser un petit peu. Tous les territoires possibles. Voilà, et tous les traîtres, on ira les chercher. Donc tous ceux qui quittent à partir de maintenant mon union douanière, j'irai prendre leur territoire. Voilà. 3 mois le printemps des peuples. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit là? Faible accès au marché, Wittenberg. C'est en cours. Capacité d'imposition insuffisante. Hop, on va refaire 5. En Lombardie, on va refaire 5 aussi. C'est quoi ça? La Grèce, m'en fous. Je voulais voir un truc, oui. Au niveau des institutions, on peut peut-être les augmenter. On va faire colonial, on va augmenter. Le reste, après, c'est pas intéressant. Quoique le système de santé, c'est quand même pas mal. Allez, hop. Un, deux systèmes de santé. Un grand nombre de personnes suédoises ont migré vers l'état de Minnesota et les... Ok. Il me semble que c'est le 2 janvier que l'on peut de nouveau aller embêter. Voilà, on va pas louper une journée. Hein. On va pas louper une seule journée, les gars. Bon, là je fais une grosse sauvegarde. Pourquoi? Parce que c'est quand même un tournant de ce que je veux faire. Donc ça prend un peu un tournant de. Dans ma manière de jouer, je vais me choper 100 d'infamie et en gros tout le monde va me détester. Avant famille. Et si jamais ça me convient pas, je reprendrai à cette sauvegarde. C'est pas bon pour le let's play narratif. Voilà, faire un pays fantoche. Parce que là on aura des gens en face. Hein. La Tripolitaine se retire, c'est tout? Ah, il y a encore beaucoup de gens qui le soutiennent. Hein. Après, voilà. On est sous embargo. Tiens, c'est étrange. J'avais pas cru. L'Espagne a rompu notre union douanière. Ok. Alors, attendez.
Je vais chercher un petit crayon et je vais noter tous ceux qui font ça, parce que bah là, il faudra bien évidemment que j'aille chercher l'Espagne. Je voulais pas en plus. Moi j'étais de bonne foi et tout, en plus, je les ai aidés, les Espagnols, machin, bon. Espagne. Voilà, c'est noté. Quelle idée. La Suisse a rompu notre pacte défensif. Ouais, mais c'est pas l'union douanière. Moi j'avais dit l'union douanière, j'avais pas dit là. Ils sont tous en train. Ok, la Grande-Bretagne nous a mis son embargo, ça me va. Je m'en fous. Ok. Ce que je vais faire, c'est que ça sent quand même un peu le coup fourré là. Vous sentez là? C'est que. Bâtiment, bâtiment. On va construire plus de casernes. On va aller là où il y a des paysans, Brandebourg. Voilà, 25. Posen, Galicie. Voilà. On va faire des multiples de 3 un peu partout. Des multiples de 5, je veux dire, un peu partout. Voilà, on va faire quelques casernes. J'ai une colonisation qui est terminée, je peux incorporer l'État. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de faire une nouvelle colonie? Non. L'Égypte soutient. Non, mais oh! C'est nouveau ça. L'Égypte soutient l'Empire ottoman. On aura tout vu, tiens. On va envoyer lui. Hop là déjà. Maroc, tout, Modène, Tunis, Égypte, Égypte. Ok, il y a même la conscription. Okay. Empire ottoman, blablabla. Je sais pas s'ils vont vouloir se défendre. En soi. Ils sont très inquiets. La vache, ça en fait des trucs à gérer. Expiration de l'obligation. Hop, ça c'est bon. Ah, entrée supprimée, le printemps des peuples, ça y est, j'ai réussi à le faire passer sans l'avoir dans ma poire. C'est cool. Peut-être qu'ils seront un peu moins radicaux les autres, je saurais pas dire. Par exemple, là je fais ça. Ils sont pas moins radicaux pour autant. Peut-être que ça passera. Bon, j'espère que je peux en avoir un deuxième surtout. Il me semble qu'une partie j'en avais enchaîné deux d'affilée, c'était pas cool. Bon. Les quoi? C'est l'union douanière. Et ils sont juste dans l'union douanière, hein, y a pas de. C'est bizarre. Ils sont chelous ces mecs. Ok. Ah! Il a déclaré pas mal d'intérêts, ce qui viendrait pas les aider avant. Pas beaucoup de mon côté, hein. Attends, on va opter les objectifs de guerre, donc on va faire un pays frantoche. Ça, on l'a déjà fait. L'Égypte. Faire un pays fantoche. La Modène. Acheter. Faire un pays fantoche. Le Nedge. Comment ça?
Ouais, je crois que je les avais déjà. Ok. Voilà. C'est pas méchant, c'est... Voilà. Bon. Il y a peut-être un petit souci au niveau de la famille, je suis peut-être un peu un paria, là. Mais bon, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, hélas. La France nous a mis sous embargo, sans blague. Il me reste des... Oui, il me reste un petit peu. Il me reste quelques objectifs. Hop. Est-ce que je peux faire un truc avant? T'as pas grand-chose, hein. Je peux changer un régime? Oui. Et réparation. Bon, le reste, je m'en fous. Hop, voilà. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, les gars? Alors, attention, parce que là, je fais le malin, mais je suis pas donné gagnant. Donc, hop, on va mobiliser et hop, on va aller. Attaquer là-bas. Là, on est bon. Oh, bah il a abandonné. Bon, du coup, j'ai la moitié de la famille qui est remboursée. Mais c'est tout, quoi. La réunion douanière rompue. C'est pas avec moi, c'est avec l'Empire Ottoman. Okay. Bon, l'Empire Ottoman est allemande. Attends, c'est quoi tout ce bazar, là? Pourquoi d'un coup je suis en dèche comme ça? Ah, c'est production électrique. Électricité, caserne, ouais, c'est pour ça. L'Espagne. Dis donc, l'Espagne. Hein? C'est pas gentil, ce que t'as fait. Puis Ottoman exige. Rien à foutre. Encourageons. Alors je peux pas en faire un pays fantoche. Pourquoi? Ils sont trop forts? Ils sont combien? Oh, ils sont 8e. C'est une puissance importante, c'est pas non plus. Bon. Bah c'est pas grave. On va voir l'état de mon marché. Ouais, ça va bugger, voilà. Est-ce que j'irai pas là, hein? Ah mais non, non. Pas encore, je peux pas. Bulgarie. Ah bah si, voilà, Bulgarie. En faire un pays fantoche, tiens. Non, alors l'Egypte. Voilà, l'Egypte, tu m'as saoulé tout à l'heure. Confirmé, voilà. Ah oui, effectivement. J'ai oublié ce détail. Hop, toi tu vas aller là-bas et tu vas juste défendre. Voilà. Toi tu vas aller là et tu vas attaquer. Ne soutiens plus, tu m'étonnes. C'est marrant ça. Non mais il a voulu aider l'Egypte, hein, donc bah je suis allé sur lui, hein, comme ça il l'aidera plus. Enfin il aidera, mais moi. Ah ouais, j'ai une frontière là-bas, tiens. J'avais totalement zappé que je m'étais autant étendu. Je veux la défendre, mais tranquille. Je peux emmener trop de monde, ça sert à rien. Là, il devrait être bon. Tracteur. Le Darfour aide l'Egypte. Oh, ils sont mignons. Il y a son copain qui vient. On va faire un pays fantoche, Darfour. Voilà. Ah oui, les états de la trêve, c'est vrai.
Là, est-ce qu'il y a besoin de l'aider? Non, pas besoin. Ah, si, je l'ai aidé quand même. Oh, je suis gentil. Oula! Oui, non, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est temporaire, c'est temporaire. C'est pas un problème. Poisson! J'ai besoin de poisson, apparemment. Et ben, on va en faire là où on peut. Oh, peut-être fait fort là. On verra. Des vêtements, ça va pour l'instant. Colonisation de l'Équateur est terminée. Oh, la conférence de Berlin, tiens. Bon, ça me prend un succès en plus. Un soulèvement autochtone. Ah bah oui, c'est vrai que c'était le moment, ça. Allez, saligo. Ils ont bien joué. Bon, après, ça fera qu'accélérer ma conquête des territoires, donc ça me va. Là, on peut pas. Ça, on peut. Hop là. Ça, je peux pas, hélas. Je peux pas m'en mêler de suite. Là, il y a toujours le même, et là, il y a toujours le même. Développer l'industrie, c'est bon. Ouh. Ouh, les petites casernes là. Ouf. Oh les petites casernes, ça picote hein. Pays Danemark, ok. Ouais, tu m'étonnes. À chaque fois qu'ils viennent, je leur tape trop dessus, et ils ont compris. Je sais pas si. Je sais pas si je peux les aider là-bas. Non, je peux pas les aider. Donc je vais aller forcer un. Je vais forcer là-bas. Un bon niveau de vie dans l'ensemble. Hein. Pénurie bien entrant. Opium, m'en fous. M'en fous. On fout aussi. Voilà. Voilà, donc l'Égypte est pas partie. Le Darfour non plus. Et l'Empire Ottoman, bah oui, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Bon, ça va être tranquille ou normalement. Là, bon, voilà, bah y a rien qui va se passer. Là. J'arrive pas à voir. Ouf, voilà, c'est une victoire tranquille. Là, c'est de la défense, donc on s'en fiche. Ah, super. Hop, excusez-moi, excusez-moi. Ici, ça va mal se passer pour moi, ça. Alors, même si on est bien plus fort, ça risque d'être compliqué. Ah, il y a moyen en vrai hein, que ça passe. Hein. Ici, normalement, pas de raison. Ah non, si, puisque j'attaque pas ici. C'est que mes alliés qui attaquent, donc là, il n'y avait pas de raison que ça passe plutôt. Oups. Alors, le Darfour, on remonte bien sur le Darfour là. C'est. Aïe aïe pour eux. Je crée une route de soie. On a de l'immigration, ça augmente hein. Là-bas, bon, mais ça c'est juste ça, hein. Ça va aller tranquillou. Puis en plus, ça remontera après sur les autres rangs, donc c'est cool. Regardez là, on a déjà conquis une grosse partie de ce territoire. J'ai plus rien en construction là. Il va falloir modifier ça. Objet d'art, moins 200. Ouais. C'est pas mon objectif principal.
La teinture. Wow. Ah ouais, la teinture. Je vais faire des usines de produits chimiques, ouais. Mais... Non, non, je préférais faire ça. Hein. Voilà. Je pense qu'avec ça, déjà, on sera mieux. Les amovibles suffisantes. Faible accès au marché. Posen. On va faire ça. 10. Au moins 10. Allez. Je me suis trompé, c'est pas grave. Et on va faire 5. On a besoin de teinture, apparemment. Oula. Oui, on a besoin de teinture. Ça, on s'en fiche parce qu'on en exporte énormément. On produit assez en vrai. Ah non, on en produit pas assez. Si, c'est bon. Ça. Ça, on en a besoin. Ah, mais c'est parce que j'ai pas assez de teinture. Bah, ça ira mieux avec la teinture. Là, on a pris. On a pris la capitale. Égyptienne. Donc c'est bon, ça va tomber tout seul, ça va être rapide, efficace. Pour le Darfour, je sais pas où est-ce qu'elle est sa capitale. Lui. Il y en a pas? C'est où? Y a pas de ville? Si? Ah voilà, bah aussi, elle est là, voilà. El Fasher est tombée. On a pas besoin de se prendre le chou. Hop, ça c'est bon. Ici c'est bon. Ah, quoique. Ouais, bah avec mon niveau d'infirmier, ça sert à rien de toute façon que je subventionne les pays. Parce qu'ils ne voudront pas faire grand chose avec moi. J'ai besoin de fer. On va faire du fer alors. Si fer il y a besoin, fer il y aura. Voilà, une trentaine d'usines de fer. Je vois que j'ai besoin d'un petit peu de charbon. 10 usines de charbon. Puis ben, nos amis sont en embargo, m'en fous. But, on va aller chercher tous les petits pays là, hop 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 hop, tous les petits pays qui nous embêtent là, l'Égypte, bon, ou les moyens pays aussi, l'Égypte, l'Empire Ottoman, c'est ça reste quand même des bons pays, hein. Ils sont classés combien? 22, 21, c'est pas mal en vrai, mission embargo, on m'en fout. Colonisation des Réolandes est terminée, alors on a annexé le Borastland, ça c'est cool, hop là, ah, c'est bugué. D'établir des colonies. Capitulation du Darfour. Ah, c'est vraiment bugué, c'est pas cool ça. Ah ouais, c'est vraiment vraiment bugué là pour le coup. Oh. Donc le Darfour, voilà. Ils sont rendus. On va attendre que l'Égypte se rende là, on n'a pas pour longtemps. La Birmanie a rompu notre union douanière. C'est sur la liste. Voilà. La Birmanie est sur notre liste. Quelle idée. Aïe aïe aïe. Coup dur pour eux là. Ouf, ou les Égyptiens. Ouh là 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 là. Ah, Birmanie, c'est le seul qui a fait l'erreur. En Europe, ils ont bien compris. En même temps, je suis pas loin, au cas où en Birmanie, un peu plus loin, ils sont... Oh, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète quand même. Féminisme. Ok, pourquoi pas, ça me va. Comme je disais, certes, on est une monarchie autocratique. On est quand même un minimum évolué. Vraiment un minimum, parce que le vote des femmes, c'est vraiment le minimum. C'est même moins que le minimum, donc...
Hop là. Comme ça, j'ai les féministes dans la poche. Je rigole! Les objectifs. Voilà! L'Égypte est à nous. Enfin, l'Égypte est. Et on a la même mise sur l'Egypte. C'est qui ça? Chef machin. Quel agent politicien? Ah oui! Oui, plus de prestige, plus d'influence, c'est bien. Et tout ça qui arrive pile à la demi-heure d'épisode, franchement. C'est pas magnifique. J'aurais voulu le prévoir que j'aurais pas réussi. Voilà. Allez, bah sur ce, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fera dans les prochains... C'est tentant. C'est tentant. Vous allez pas me dire le contraire, c'est tentant. C'est quand même vachement tentant. Ouais, ouais. C'est... Oui, c'est très 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 tentant. Ça donne envie, hein. Ça, je peux pas. Je pourrais presque... Non, je peux pas le Mexique. Comment ça se fait? On s'entend bien? Non. Ah, ils sont déjà dans... Bah non, même pas. On s'en fiche. Je sais pas. Ça, le Portugal, l'Espagne, on peut pas. Je sais pas trop pourquoi encore. Ils sont reconnus, je pense, donc c'est pas possible. Donc voilà, on ira peut-être faire un petit coucou à l'Italie. Eux, on peut pas encore. Hein, je sais pas. Oh, si ! Oh bah voilà, j'ai ma cible ! Vous savez quoi ? Bah vous savez quoi ? Je fais la sauvegarde pour y penser après. Hein. Sauvegarder. AV, fente, toche. Voici. Attends, mais c'est bizarre ça, comment ça se fait? Ils sont mieux classés pourtant, je suis pas fou. Bah ouais. Regardez. 7ème. 7ème, 8ème. Bah. On va faire un pays fantoche. On va pas en faire un pays fantoche. Faut que je les ai déjà battus, faut... Je sais pas, il y a une... Il doit y avoir une condition... Bah attends. Il y a un truc ici, on fait un pays fantoche, donc au diplomatique. J'ai pas osé. Ah, j'ai osé. Oh mince. Oh non. Oh, c'est bon, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, ce qui fait qu'on peut aller chercher le Raj britannique, l'Italie, la Russie, l'Espagne, la Chine. Vraiment? Peut-être que j'ai l'ensemble du le territoire, je suppose. Attends, ça paraît quand même gros là. Non, on va faire un pays fantoche. Puissance importante, non, Angoulême, bah alors. Puissance importante. Puissance importante. Bah. Ils sont classés combien? Ils sont là. Bah alors. Bon, je peux faire pareil avec l'Espagne, l'Italie et tout le bazar. Le Raj, je sais pas, mais... Je peux transférer le sujet. Bon, on va s'amuser. Bon, le prochain épisode, on va s'amuser, voilà. Donc, comme je disais déjà, on va faire un pays fantoche. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui, voilà. Ouais, c'est génial. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous propose de me retrouver tous les lundis, les mardis, les jeudis à 11h pour les épisodes de Let's Play. Ça pourra peut-être changer ces dates, on verra. Tous les vendredis 15h pour les épisodes de l'Esplay Narratif, et tant en temps le week-end et le mercredi pour des épisodes un peu spéciaux. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob. Ciao!